Hello tout le monde, on se retrouve pour un retour de course super que je prends mon jus-fruit Pulco puisqu'on a les moins chers à super. Donc je vais profiter pour faire des courses et là je suis tranquille pour un mois. Moi je me suis un peu beaucoup dessus. Alors j'ai pris des McCain Bunt par 4. Ça c'est au burger et j'ai pris les mains à la bolognaise avec une petite hâte, super bon, une saveur micro. Je crois qu'il y avait au fromage aussi mais j'ai pas pris. Ça c'est les lasagnes à la bolognaise au basilic micro ou alors au four. Ou les lasagnes c'est meilleur au four, ça gratine dessus quand même. Et pareil avec une salade, c'est super bon. Donc ça c'est il n'est pas mis. Moi c'est une personne je pense. 12 minutes au micro-ondes. On va me la mettre au four. 200 degrés. Il ne faut pas la mettre sous le grill. On verra. En tout cas, avec une salade aussi. Moi j'adore, je vous montrerai tout à l'heure, dans la cœur du laitue. Alors, un chiparmentier, purée de pommes de terre au lait. La purée de pommes de terre, elle n'est pas à l'eau. C'est débile de mettre au lait. Là, c'est pareil. Ouais, il vaut mieux la mettre au micro-ondes en fait. J'ai trop galère au four. Là, j'ai pris 6 burgers. Moi, j'approche pas les mailles de tout, il y a des queues de dinde. D'habitude, je les fais, mais là, j'ai envie de les prendre. Donc, chez Charal, il y a 6 burgers au four. Et c'est en surgelé. Ils en faisaient par 6 ou 8. Mais au frais, 10 euros. Là, j'ai payé 6-7 euros les 6. C'est déjà moins cher. Et c'est classique, hein. J'adore la sauce qu'ils mettent avec. Sauce orange, ça arrive super bien. Avec des frites et une salade, c'est bon. Et ensuite, surgelé. Alors, format familial. Penne et boulette à sauce tomate. Il y a 1 kilo. 1 kilo 2. Les boulettes à sauce tomate, nickel. Après, j'ai pris du riz cantonné. Au début, j'ai pris riz cantonné en barquette. Et quand on voit le prix, il y en avait 1 kilo, il valait mieux prendre comme ça. J'adore le riz cantonné. Hop. Et pour finir, il est surgelé. Poêlée campagnard. Alors j'avoue qu'avant il faisait, je ne sais plus quelle marque c'était d'ailleurs. Il y avait deux sortes. Je préférais ce qu'il faisait avant. Il avait beaucoup plus de goût. Maintenant, bah, il n'y a que ça. Et là, il y a 1 kilo aussi. Voilà, ça c'est surgelé. Ensuite, on va passer ma... Normal, on met tout au congélateur dans le fond. Voilà, fais de la place. Alors, ensuite, je prends comme ça vient. Hop. Nuggets, ça ce qu'on ne sait pas. Jambon d'Inde, fromage. Là-dessus, je prends le poulet, mais j'ai vu ça, j'ai voulu essayer. Donc, il y en a 10. Ouais, il y a 10. Je ne suis pas très nuggets, mais de temps en temps, j'aime bien. Et ça, j'adore. Vous allez voir que j'adore tout ce qu'il y a à la tomate d'ailleurs. Et ce qu'il y a à la bolognaise. Il y en a deux dedans.
Père de Dieu et l'autre c'est le Gaulois. Hein? Attends, j'apprends ce que je suis aussi une grande fan de jambon, donc j'ai repris encore un paquet de 6 fleurs Michon tranche fine. C'est super tranche fine. Bon, après, moi je compare beaucoup les prix, hein, comme tout le monde, et c'était les moins chers. Donc, il y a 6 tranches, il y a 25% de sel en moins, ça c'est bien. Et ben, toujours la mousse de foie pour. Je vais me faire un petit sandwich. Et enfin, ça surtout, ça sert plus pour coton, pour lui donner ses médicaments. Donc il y a 2 de 50 grammes. Donc du coup, j'en ai pris 2. Bon. Hop. Et mon pain râpé. 200 grammes. Ça j'aime bien pour quand je fais mes croque-monsieur, j'aime bien mettre ça dessus avec des petites tomates que je prends quand j'ai. Dis, j'ai rien pour toi Tipeee. Donc un paquet de 200 grammes et je disais la salade, j'ai pris de la scarole. Cœur de laitue, carole, c'est un peu même bien. Il y a 150 grammes, 3 parts. Et moi j'adore. Je mange pas beaucoup de légumes alors. Si je peux manger un peu la salade, je fais. J'ai pris. Je vous dis, je me suis lassée. La salade César, poulet rôti. Enfin, sauce César, poulet rôti. Vous voyez, c'est la salade. Il y a des œufs, du fromage, des petits lardons. Tomates mangées, des petits croutons et du poulet. Là-dessus, je prends rarement cela. C'est pas venu. Mais là, je vous dis, on casse. Après, j'ai pris. Des lardons fumés. Moi j'adore faire ça avec des petits pois carottes. Ou des pâtes, mais j'aime bien des petits pois carottes avec ça. Donc ça c'est une barquette de 200 grammes. Par contre, je ne sais pas cette marque là. Tiens, un et quatre, je crois. Ensuite, et là j'ai pris la grosse barquette. Parce que c'était moins cher. Donc je suis un peu plate, mais on va plus rien voir. Alors, piémontaise. Au jambon. Ils font au poulet aussi, mais je préfère au jambon. Donc ça, c'est la grosse. Je la connaissais pas, cette grosse barquette. Il y a combien? 800 grammes. Je connaissais la 500, mais pas la 800. Donc c'est la marque du magasin. Qui était moins cher que la petite. Il y avait une autre qui était presque 1 € quelque de plus et elle faisait que 500 grammes. Donc, du coup, j'ai pris 800. Voilà. là, le deuxième, l'arton. Moi, je les mets en congélateur en fait. Alors, j'ai pris les 6 cakes au juste. Moi j'adore le cake déjà. Le citron et les fruits rouges. Ça. Donc il y en a 2. Et c'est Mamie Nova qui fait ça. C'est une tuerie ici. Donc j'en ai pris un. J'ai repris de la couscous parfumé aux épices douces. Avant il faisait aux 3 épices et aux 5 épices. On ne trouve plus aux 5 épices. Et là, il y avait que ça. Donc, c'est 2 sachets et un sachet avec 4 personnes. Moi, je fais 2-3 repas avec.
Avec une viande, c'est super bon. Et on a... Il n'y a pas mis... Combien ça fait? Chaque sachet fait 250 grammes. Il y a de quoi faire. Hein? Hop, j'ai pris des petites saucisses de Strasbourg. Moi, je disais que Lucky, c'est la marque. Là, c'est la marque du magasin. Il y a 10 saucisses. Et la purée, c'est bon. Voilà. Ensuite. À cause de Laura, j'ai envie de raclette. Je suis passée devant, on dit, oh, une raclette, hein, pourquoi pas. Par contre, j'ai oublié de prendre une salami. Tant pis, on mangera du jambon. Je ferai des oignons. J'adore les oignons. Donc là, c'est un paquet de 400 grammes chacun. Mais il n'y a pas mis le nombre de tranches. Mais... Au début, je voulais prendre sans croûte. Parce que moi, je ne mange pas la croûte. Et elle était beaucoup plus chère, mais il n'y avait pas des paquets comme ça, la marque du magasin sans croûte. Donc il y a de quoi faire. Voilà. Je voulais prendre du Lerdammer au début. Sauf que, on tranche. Moi je mets dans mes sandwichs. Sauf que c'est pas donné. Du coup j'ai pris. Bon, il n'y en a pas énorme. Hein. Donc il y a un quelque ça va. Du madame en tranche. Donc c'est pour mettre un sandwich. Ou alors pour oui, sandwich. C'est de temps en temps, on ne mange pas tout le temps un sandwich. Ensuite, j'ai pris. Ben, ça c'est pas pour moi. Attends. Hop. C'est pour ma tante qui adore ce gâteau. Et là. J'ai trompé. Ah non, noisette. Non, c'est vrai, il y avait une promo. Enfin, je croyais que j'étais trompée. Enfin, il y avait une promo sur en prenant deux pour une fois. En prenant l'autre deux, c'était moins cher que prendre deux paquets à part. D'habitude, c'est l'inverse. Donc là, on a pris petit écolier au chocolat au lait. Donc comme il était en promo et tout, on lui a pris deux paquets de, il y a quatre boîtes, et on a pris un noisette parce qu'elle adore. Après, oups, la terre est basse. La vache qui rit, en morceaux là, en portions. Moi je mets ça sur mes croque-monsieur. Normalement on met du fromage à croque-monsieur ou à burger, moi je mets de la vache. En fait, ce que je fais, j'aurais peut-être dû prendre la grande. Je prends 2-3 morceaux, j'écrase avec la fourchette et après j'étale dans mon sandwich et après dessus. Et je mets les tomates. Ça, c'est pour les croque-monsieur. Je vais remettre. Désolé pour le bruit. Il y a encore un sac. Hop, ma chaise est mouillée avec le surgelé. Hop. J'ai un peu de place. Voilà. Ensuite, quand je vous dis que je suis lâchée, je me suis. Alors, il y avait la semaine américaine. Ah, Super U, j'ai jamais vu ça. Bon, j'avoue que je vais rarement à Super U. C'est des donuts, mais Oreo. On va goûter. Je vous dirai, c'est bon. J'adore les Oreo, mais on gâteau, je ne connaissais pas. Ah, pas de nouvelles. Il y en a deux. Et mon petit mignon au gâteau de pâtisserie, c'est tartelette au citron.
J'avoue, des fois, il met des petites rondelles de citron. J'aime moins, je préfère comme ça. Sinon, il y avait la grande, hein, ça va être plus le coup de la prendre. Sauf qu'une grosse pour moi tout seul, ça fait un peu beaucoup. Du coup, j'ai pris deux. Ben, c'est vendu par deux. Voilà, on va les mettre là pour être écrasé. Le foie que j'ai montré, je vais le trouver à Intermarché, près de tout là. Il se trouve traiteur. Là, c'est tomate séchée, ail et basilic. 8 minutes à 200 degrés. Donc, c'est les tranches qui sont déjà coupées. Et super bon avec la salade. Je vais faire une cure de salade, 3 jours après. C'est... Donc, il y a 5-6 personnes. Donc, on fait 2-3 repas et c'est bon. Voilà. Par contre, ils ne mettent pas qu'est-ce que c'est comme pain. Enfin, c'est les conseils. Hein. Pain pré-cuit. Du pain normal. Donc, j'aime beaucoup regarder les. Voilà, tomates. Tomates séchées. Le poids, c'était tomates, je sais plus quoi. Super. Et. Alors là, c'est. J'ai jamais vu aussi grand. Là, c'est la tartine. Enfin, la bruschetta et la tartine. Champignon lardon. C'est une grosse tartine, en fait. Elle est énorme. Donc, je crois que moi, je vais la couper et la manger en deux fois. J'avais jamais vu un pain aussi grand. Donc, c'est 310 grammes. Hein. Donc, ça fait beaucoup. Il y avait chèvre et je sais quoi, mais je déteste le chèvre. La nita. Pareil, juste cuit. Les palettes de porc supérieur. Avec des frites, super bon. Et il y a 2-3 personnes. 9 minutes au micro-ondes. Ouais. Super. Celui-là. Je connais pas, je vous dirai ce mot. C'est pas nouvel. Après. Ah, voilà. En fait, on a vu. C'est au milieu du magasin, il y a toujours des palettes avec des lots. On a regardé le prix, c'était moins cher de prendre celui-là par 6 et l'autre par. Donc, celui-là, c'est. Chocolat au lait ou noisette. Et franchement, c'est une tuerie. À la noisette, c'est trop bon. Donc, comme ça, on aura de quoi faire. Comme on ne peut pas y la voir, pas droit à visite, mais on peut déposer des trucs. Comme ça, on aura ses gâteaux. Après. J'ai dit les trucs américains, j'ai pris les Oreos et c'est en vert et beignets chocolat noisette. Donc il y en a 4. Le petit déjeuner demain il va être super bon. Ouais. Après, j'aime ce qui. Enfin, c'est indien. J'en avais pris pour mon anniversaire la dernière, j'avais trouvé super. Donc c'est un assortiment indien. Donc il y a du samosa au bœuf, pakora de légumes. Je préfère pas savoir ce qu'il y a comme légumes. Et des bouchées de poulet au tandoori. Il y a la sauce aigrue. Moi j'aime pas les sauces. Mais... Voilà, ça se prend comme ça. Il y a 300 grammes avec l'emballage. Hein. Bon, à chaque fois, il y a 4. Ouais, il y a 4 de chaque. Voilà. Après, on arrive au bout. Là, on va aller attaquer sur les yaourts. Moi, j'adore, depuis des années, ce
de yaourt. Des noix et céréales. Moi, j'avoue qu'au début, j'avoue qu'au début, quand ils ont changé le packaging, moi j'aimais mieux avant. Franchement, il est trop moche maintenant. Et quand ils ont changé le packaging comme ça, on ne les trouvait pas. Avant, j'ai trouvé surtout à Carrefour. Donc là, c'est Activia. Ceux-là, il y a la fraise, j'aime bien, de temps en temps. Mais alors, ceux-là, c'est une tuerie. Je peux facilement manger deux apiles. Trop bon. Donc, il y en a quatre dedans. Et du coup, j'ai pris de l'eau. Changer. Les petits pois carottes. Très fin. J'ai failli partir sans. J'ai vu les haricots verts. Je suis pas fan des haricots verts. Donc j'ai pris deux boîtes comme ça, deux. On va dire juste un petit pot. Hein. 265 grammes. Et en fait, au final, vous avez 425. Avec le jus et la boîte. Il reste plus grand chose. Ça fait presque 100 grammes de différence. C'est énorme. Donc j'ai pris deux. Ah, j'ai pris du yop à la fraise. Avant, je trouvais banane fraise, on ne trouve plus. Il y avait une promo, on prenait deux et troisième gratuit. Sauf que ces trucs-là, ça va pas très loin en général. Donc là, ça va jusqu'au 15. Et il y a quand même 850 grammes. Donc ça, avoir trois comme ça en moins, en une semaine, 8-10 jours, ça fait beaucoup. Donc du coup, j'ai pris qu'un. À la fraise. Sinon, il y a le vanille, mais je déteste la vanille. Et dernière chose, ça c'est pareil, c'est mon petit mignon, comme les Activia. Smarty yaourt à la fraise. Donc il y en a 4. Ouais. Il y a 4 dedans. Il y a vanille chocolat, mais je suis pas fan. Moi, je suis là, j'adore. Pourtant, je suis pas adepte des mélanges de fruits et tout ça. Pas de goût. Mais ça, ça va. Donc celui-là, pareil, j'en ai pris deux. C'est Mix in Smart de Nestlé. Donc voilà, j'en ai pris deux. Et sinon, bah, je ne montre pas parce que c'est trop lourd. J'ai pris un pack de 6 bouteilles de Pulcro Citronate. Qui m'ont resté plus qu'une bouteille une et demie. Voilà, comme ça je suis tranquille à un moment. Donc voilà, c'était un retour de course. Super. Maintenant il ne reste plus. Il reste plus. J'ai oublié, j'ai mon assistant vient de me dire cacolac. Ah oui, t'as oublié de montrer le cacolac. Le cacolac, j'en prends pas souvent parce que c'est pas donné. Hein. C'est un pack, il y a 8 bouteilles, tu sais, les petites bouteilles de 25 litres. J'aurais bien aimé 25 centilitres. Ouf, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai trop fait. 25 litres, ça aurait été cool. Hein. Au prix où j'ai payé, ça valait le coup. Alors, 8, mais ça avait plus de 100 litres, là, ça fait peut-être beaucoup. Non, 25 centilitres, et c'est les bouteilles en verre. Cacolac que je mets au frigo et franchement de temps en temps un petit 4 heures je me fais des gâteaux des 4 heures pas calorique du tout mais un cacolac avec un oreo super. Donc voilà, c'était mon retour de course super. Je vais mettre la vidéo à chercher. Et ensuite, je ferai la vidéo ouverture de colis. J'ai le short que j'ai fait avec Gwen Scrap sur Halloween.
ils sont là, les colis. Et j'ai rangé tout ça et pendant qu'ils sortent, et après je fais la vidéo. Soit Halloween avec Gwen Trapp. Et j'ai aussi mon colis que j'ai reçu de Scrabanini. Vous savez, je commande régulièrement. Et là, c'est beaucoup des papiers que j'ai commandés. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.